Alléluia. Gloire au Seigneur. Élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te bénissons et nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour ce moment merveilleux que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Merci Saint-Esprit de nous combler. Merci Saint-Esprit de nous guider dans ce programme de prière. Nous avons soif et faim de toi. Nous avons soif et faim de ta présence. L'Esprit de grâce, l'Esprit de louange, l'Esprit d'adoration. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions pour la vie des dieux Zoé que nous recevons de toi. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de bénir ce moment merveilleux. Nous avons soif et faim de ta présence, toi l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, merci de nous inonder de toi. Bénis chaque détail et chaque aspect de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus-Christ parmi nous. Remplis nos vies de ta vie. Toi, l'Esprit de grâce et de faveur, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Au-dessus des Alléluia. puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel pauvre, voulait pas non plus. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté. Voulais pas nous pire, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert. Le pire je t'ai, t'es du beau, voulez pas nous.
tu m'as aimé par-dessus tout. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu. Te bénissons, grand roi de l'univers. Nous te célébrons, nous te louons et nous te célébrons, grand roi de l'univers. Pour ton amour, pour ta faveur et pour ta fidélité, notre Seigneur et notre Dieu, merci d'étendre ta main de grâce au milieu de nous, de manifester ta gloire dans nos vies. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix et merci pour ton amour infini. Notre Seigneur et notre Dieu, bénis ce moment merveilleux que nous passons dans ta présence. Allez élever nos voix, bien-aimés. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes là ce soir, bien-aimés, encore. Priez toujours pour la famille. La famille, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce ne sera pas de ménager des efforts afin de pouvoir prier pour la famille. Donc, c'est important pour nous, la famille, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour bénir, n'est-ce pas, bien-aimés, les dieux de la famille. Nous allons bénir notre Seigneur et notre Dieu, celui qui a voulu que la terre soit, n'est-ce pas, bien-aimé, remplie par les familles. Nous allons élever nos voix, nous allons le bénir. Élevons nos voix, bien-aimé, bénissons les dieux de la famille. Élevons nos voix, bénissons-le. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce. Toi, les dieux de la famille, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons pour ton amour, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu es. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le grand roi. Seigneur, merci d'étendre ta main de grâce dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je disais ce soir, particulièrement nous prions pour la famille, notamment nous voulons ramener encore, revenir sur les choses qu'on a eu à parler, mais pas avec beaucoup plus de détails, de manière à ce que nous puissions prier. On a parlé de la responsabilité des parents sur les enfants. Je voudrais revenir encore une fois de plus, comme j'avais prévu dans mon canevas, que nous puissions revenir sur ces choses et pouvoir prier. Nous allons prier ce soir pour la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Il y a la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Pourquoi je le dis, bien-aimé? Parce que Dieu, en créant Adam et Ève, il les a créés, bien-aimés, avec un canevas déjà bien établi. Ce canevas n'était pas d'Adam, ce canevas n'était pas d'Ève, ce canevas était un canevas de Dieu. C'était un programme que Dieu avait déjà établi vis-à-vis d'Adam et d'Ève. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Il les a créés et il leur a donné le programme. Son programme est où, bien-aimés? C'est dans Genèse 1, le verset 28. Il a dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Voilà, le programme de Dieu, bien-aimé, pour cette terre, c'était que cette terre soit remplie par la famille ou les familles. Toute famille, bien-aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est Dieu. Donc, nous voyons dans la parole de Dieu, même lorsque Dieu a décimé toute la population en cause, n'est-ce pas, de la méchanceté des hommes sur la terre, eh bien, il est resté avec Noé, cette famille de huit. Il y avait Noé et sa femme, les trois filles de Noé et leurs épouses. C'est de cette famille de huit, après les déluges, bien-aimés, que Dieu a rempli encore la terre. Il leur a donné encore, bien-aimés, le même programme. Le même programme, Dieu leur a dit, n'est-ce pas, remplissez la terre, la sujettissez. Dieu n'a pas changé son programme pour l'homme. C'était ça la volonté de Dieu. Et Dieu voulait, n'est-ce pas, même après les déluges, que Dieu y est revenu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Le programme est clair, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne va jamais à l'encontre, bien-aimé, jamais à l'encontre de sa volonté. Quand Dieu dit quelque chose, bien-aimé, il l'accomplit. Dieu a dit à Noé, Dieu bénit Noé et ses fils. Après, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, la sortie de l'arche. Il les a bénis. Il leur a dit, écoutez, vous devez remplir, n'est-ce pas, la terre. Vous devez l'assujettir aussi. Le programme était le même, bien-aimé. Il n'a pas changé de programme. Dieu a voulu garder le même programme
Même pour Noé, il dit, je garde, je ne change pas mon programme pour l'homme. Je ne voudrais pas décimer tout, n'est-ce pas, l'homme sur la terre, mais le programme doit rester le même. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu n'a pas changé son programme, bien aimé. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu est toujours fidèle. C'est pas Satan, bien aimé dans le Seigneur, qui allait, n'est-ce pas, retarder Dieu dans son programme. Ce n'est pas Satan qui allait perturber Dieu dans son programme. Ce n'est pas Satan qui allait empêcher Dieu d'accomplir son programme. Satan n'est qu'une créature, mais Dieu est le créateur. Il a fallu que le programme de Dieu puisse s'accomplir tel qu'il l'avait conçu. Voilà pourquoi en restant avec Noé, il a dit, Noé, allez, maintenant, j'ai supprimé les méchants. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. Dieu a horreur des méchants. Dieu a horreur de la méchanceté. Il a horreur des hommes méchants. Il a horreur des femmes méchantes. Il a horreur, bien-aimé, de la méchanceté sur la terre. C'est pourquoi les gens étaient tellement méchants. Leur cœur, leur esprit, leur pensée se portait toujours à la violence et à la méchanceté. Comme nous sommes en train de voir actuellement sur la terre des hommes. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont d'une violence extrême. Ils ne pratiquent pas la violence comme ça, mais ils pratiquent la violence dans leur pensée. Comme quelqu'un qui ne tue pas les gens. Vous ne le voyez pas tuer les gens. Mais il fait un produit pour injecter les gens, que les gens meurent. Mais c'est quelqu'un de violent. Mais il ne les montre pas. Oui, bien aimé, donc le programme de Dieu, bien aimé, c'était que la famille, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, puisse remplir la terre des hommes et la famille puisse accomplir le projet de Dieu. De dominer sur les oiseaux, de dominer sur le poisson, dominer sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre, c'est toujours Genèse 1, le verset 28. Mais vous voyez, bien aimé, le programme de Dieu, n'est-ce pas, c'était pour que l'homme puisse avoir justement les enfants. C'était ça, multipliez, remplissez, soyez féconds. La productivité, c'était ça le programme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que l'homme devait faire de ses enfants-là? C'est là le problème de la responsabilité. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Nous voyons ici, bien-aimé dans le Seigneur, Noé, il est resté avec ses enfants. Dieu bénit Noé et ses fils. C'est bien dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Bien-aimé, Dieu aime les enfants. Parce que c'est lui, finalement, c'est lui qui est l'auteur des enfants. Il aime les enfants. Dieu aime les enfants. Les enfants ont une telle importance, bien-aimé, dans le Seigneur, devant Dieu. Dieu considère les enfants, bien-aimé, dans le Seigneur. Il suffit seulement de lire, bien-aimé, dans le Seigneur, Exode 1. Exode 1, le verset 16 à 18, nous voyons cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur, que nous connaissons l'histoire de Moïse. Exode 1, le verset 16 à 21. Hein? Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, le roi, le verset 15, le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Chifra, l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appelle les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devient très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait, bien-aimé? Dieu a fait du bien aux sages-femmes. Pourquoi? Parce que les sages-femmes ont laissé la vie aux petits-enfants. Les enfants des Hébreux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime les enfants. Dieu a un programme pour les enfants. Voilà pourquoi Dieu, n'est-ce pas, prend l'homme pour responsable vis-à-vis des enfants qu'il lui donne. Parce que finalement, c'est Dieu qui donne les enfants.
Et lorsque Dieu donne les enfants aux parents, c'est pour qu'ils puissent prendre soin de ces enfants-là. D'une manière ou d'une autre, qu'ils en prennent soin. Pourquoi ils doivent en prendre soin? C'est pour accomplir, bien sûr, la volonté de Dieu. C'est pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Je dis bien, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dieu fait du bien. Vous imaginez un peu? Ces femmes-là disent, non, nous n'allons pas tuer. Nous n'allons pas tuer les enfants d'autrui. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Pourquoi, bien-aimé? Les sages femmes ont pris soin de laisser la vie aux petits-enfants. Non, nous voulons pas. Et Dieu le fait pour voir, n'est-ce pas, bien-aimé, les cœurs de Dieu pour les enfants. Les massacres des enfants, la destruction des enfants, c'est un grand péché devant Dieu. Tuer les enfants, voilà pourquoi nous avons prévenu contre les avortements. Les gens qui avortent, ils ne réalisent pas que c'est un grand péché devant Dieu. Dieu a empêché que ces femmes tuent les enfants. Mais on peut tuer aussi les enfants autrement, bien-aimés. Lorsqu'on ne joue pas pleinement sa responsabilité vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés, vis-à-vis de ses enfants. On doit jouer son rôle en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, vis-à-vis des enfants que Dieu nous a donnés. Nous devons pleinement jouer notre rôle. Dans les cas contraires, c'est un péché vis-à-vis. Nous le tuons. On peut tuer un enfant, pas physiquement, mais on peut le tuer spirituellement. On peut détruire un enfant spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons la responsabilité de faire très attention dans notre manière d'agir. Faisons très attention, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre manière d'agir, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous pouvons tuer, pas physiquement, mais nous pouvons les tuer spirituellement. Tuer les enfants spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ne pas accomplir le projet de Dieu dans leur vie. Les sages-femmes ont dit, non, nous n'allons pas tuer. Bien-aimé, Dieu a honoré les sages-femmes. Pourquoi, bien-aimé? Dieu a honoré leur manière d'agir. Dieu honorait leur manière de faire en laissant la vie aux petits-enfants, n'est pas les massacrer. Mais ça, c'est un massacre, carrément. Dieu, les femmes sages ont dit, non, nous n'allons pas faire ça. Et les femmes sages ont eu la crainte de Dieu. Bien-aimés, est-ce que les parents, nous avons la crainte de Dieu par rapport à la manière dont nous éduquons nos enfants, par rapport à la manière dont nous prenons soin d'eux, par rapport à la manière dont nous voulons que les programmes de Dieu s'accomplissent dans leur vie? Parce que Dieu a un programme pour chacun des enfants. Il a un programme, bien-aimé. Dieu a un programme pour chacun des enfants. Est-ce que nous prenons soin que cet enfant qui est en train de naître, c'est pour accomplir le programme de Dieu ou pas? Bien-aimé, si nous avons ça à l'esprit, ça nous aiderait à ne pas faire n'importe quoi. Ça nous aiderait, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas nous laisser entraîner, n'est-ce pas, bien-aimé, par certaines situations où on a comme l'impression que nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. À l'encontre de la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il a été écrit, bien-aimé, dans Jérémie. Jérémie, nous savons, n'est-ce pas, ce qui est écrit dans Jérémie, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie, allez ce qui est écrit dans Jérémie. Jérémie 1, bien-aimé dans le Seigneur, le verset, Jérémie 1, le verset 5, je voudrais comprendre seulement le verset 5 de Jérémie 1. Il dit quoi? Avant, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie 1, le verset 5, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant. Avant. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu nous connaît déjà spirituellement avant que nous puissions exister physiquement. Nous le voyons, nous voyons les enfants, bien-aimés, physiquement. Nous le voyons, ah, c'est mon fils, c'est ma fille. Oh, merci Seigneur. Mais nous ne savons pas que cet enfant, avant qu'il vienne dans les ventres, Dieu le connaissait. Et c'est Dieu qui a dit, toi, tu iras dans les ventres de tel. Toi, tu seras le fils de tel et de tel. Voilà pourquoi Dieu veut que les enfants honorent leurs parents, quel que soit ce qu'ils sont.
Avant que je ne t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de la nation. Voilà, bébé. Le projet de Dieu pour Jérémie avait déjà été établi par Dieu avant même que Jérémie ne puisse naître. Donc le parent n'avait qu'à demander à Dieu, quel est ton programme pour cet enfant ici? Cet enfant n'est pas né pour notre plaisir. Cet enfant est né d'abord pour l'accomplissement de ton programme sur la terre des hommes. Tu as un objectif à faire avec chacun des enfants. C'est comme lorsque, bien aimé, on met 11 joueurs sur terrain. On sait que s'il y en a 22 à la dimension du terrain, ça n'ira pas. Les gens qui avaient conçu le football avaient trouvé que 11, ça ira par rapport à la dimension même du terrain. Donc quand vous en mettez 30 sur le même terrain, même dimanche, ça n'ira pas. Et même pour que chacun puisse jouer pleinement son rôle, ça n'ira pas. Mais quand vous regardez les 11 joueurs sur terrain, chacun a un rôle. Il y a un gardien et puis il y a les 10 joueurs, chacun a un rôle à jouer sur le terrain. Mais on le met tous sur le même terrain. Voilà pourquoi Dieu aussi l'a mis l'homme sur la vie. Multipliez, soyez nombreux. Assujettissez. Donc, chaque personne a un rôle à jouer sur la terre des hommes. Avant que je ne te souvienne, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et nous devons prendre conscience, bien dans le Seigneur. En tant que parents, en tant que responsables, prenons conscience du rôle, bien-aimé, que nous sommes censés pouvoir jouer vis-à-vis de nos enfants que Dieu nous a donné. Le rôle, d'abord, bien-aimé, c'est de comprendre que comme Dieu aime les enfants, nous devons aussi les aimer. Parce que les enfants ont une importance aux yeux de Dieu. Comme Dieu aime les enfants, bien-aimé, nous devons aussi les aimer. Et nous devons accomplir les programmes, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous devons accomplir le programme de Dieu avec nos enfants par amour pour eux. De la même manière que Dieu les aime, nous devons aussi les aimer. Ésaïe 49. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Ésaïe 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne t'oublierai point. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit, je ne t'oublierai point. Vous voyez, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Une femme, bien-aimée, une femme qui allait un enfant ne peut pas oublier l'enfant. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Pour montrer l'amour, pour montrer la compassion, la miséricorde, n'est-ce pas, des dieux vis-à-vis de ses enfants en tant que père, Dieu fait le parallélisme de la même manière qu'une femme qui vient d'accoucher, elle a l'enfant, cet amour qu'elle a vis-à-vis de son enfant qu'elle vient d'accoucher, cette femme ne peut jamais oublier son enfant alors qu'elle est en train de l'allaiter. Et Dieu dit, c'est de la même manière que Dieu nous aime. Regardez un peu la comparaison, mais elle est très forte. Pour monter la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. L'amour. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Que les enfants doivent aimer leurs parents. Et les enfants, les parents doivent aimer leurs enfants. Leur donner ce dont ils ont besoin, c'est vrai. L'amour d'abord. Et quand on a l'amour, on ne peut pas oublier, n'est-ce pas, bien-aimé? On ne peut pas oublier. Et quand on aime ses enfants, bien-aimés, on ne peut que leur donner le meilleur. Je dis bien, quand on aime son enfant, bien-aimé, ou quand on aime ses enfants, on ne peut que chercher à leur donner le meilleur. Le meilleur, parce que le parent, bien-aimé, ne veut jamais donner ce qui n'a pas de la valeur à ses enfants. Il veut donner le meilleur. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions donner le meilleur à nos enfants. Les meilleurs habits, le meilleur repas, les meilleures études, les meilleures écoles. Bien-aimés, les meilleurs. Dieu, n'est-ce pas, même chaque parent veut donner le meilleur à ses enfants. Aucun parent ne veut donner, n'est-ce pas, de la pacotille, non. Chaque parent veut toujours donner le meilleur. À cause de quoi? L'amour qu'il porte sur ses enfants. L'amour. L'amour, bien-aimés, c'est parce qu'on aime ses enfants. Et on veut leur donner le meilleur. Dis non, moi je vais donner le meilleur à mes enfants. Je ne peux pas leur donner ce qui n'a pas de la valeur. Non, je vais leur accorder le meilleur. Parce que, alléluia, ils méritent le meilleur. Ce sont mes enfants. Dis donc, ils méritent le meilleur.
Je vais leur donner le meilleur. Alléluia. On dit, n'est-ce pas, mes enfants méritent le meilleur. Il faut qu'ils aient le meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'ils aient le meilleur. Le meilleur, parce que Dieu est le meilleur des meilleurs. Bien-aimé, que nos enfants puissent avoir le meilleur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Il est merveilleux. Et lorsque nous lisons, bien-aimé, dans Luc, Luc 11, le verset 13, Luc 11, le verset 13, nous voyons, n'est-ce pas, il est en train de dire, Luc 11, le verset 13, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Méchant comme vous l'êtes, même un père méchant, bien-aimé, veut toujours donner le meilleur, même les dictateurs, bien-aimé, les gens, les sanguinaires qui tuent les gens, ils ne tuent jamais leurs enfants. Ils ne tuent jamais leurs propres enfants. Ils peuvent voir les faire souffrir les autres enfants. Ils ne vont pas à l'école, ils vont pieds nus, ils n'ont pas le minerval. L'école, c'est trop cher, bien aimé. Mais lui, ses enfants, les dictateurs, là, ses enfants, il va les amener dans de meilleures écoles. À cause de l'amour pour ses enfants. Méchant comme vous l'êtes, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Luc 11, le verset 13. À combien plus forte raison, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Dieu qui le dit. À combien plus forte raison? Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions donner le meilleur à nos enfants. Nous devons leur donner le meilleur. Parce que Dieu est le meilleur. D'ici donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison que le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Dieu est prêt à tout nous donner, n'est-ce pas? Nous donner le meilleur. Le Saint-Esprit est le meilleur que Dieu a choisi de nous donner. Le Saint-Esprit, le meilleur. Le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas mieux que le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Dieu dit, je suis prêt à cause de l'amour que j'ai pour vous, de vous donner le meilleur. C'est pas l'argent, c'est pas les habits, c'est pas les voitures, c'est pas les maisons, c'est pas le monde entier. Non, le meilleur, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je suis prêt à vous donner le meilleur. Bienvenue dans le Seigneur. Première chose pour les parents, la responsabilité, c'est d'aimer leurs enfants. D'aimer les enfants, n'est-ce pas? Et aimer les enfants, ce n'est pas, bienvenue dans le Seigneur, de vouloir leur donner. Non, non. Premièrement, d'abord, bienvenue dans le Seigneur. Aimer les enfants, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, de les éduquer, de les enseigner selon les voies du Seigneur, de les conduire sur la voie du Seigneur. J'aime mes enfants, oui. Tu aimes les enfants, oui, oui, tu les aimes. Oui, mais je les aime, je leur paye le billet pour aller à Hollywood, aller à Miami, aller, je ne sais pas, à Singapour, c'était tout le voilà. Ils vont là-bas en vacances, je les aime. Oui, oui, vous aimez vos enfants, mais attendez, vous ne les aimez pas. Il faut chercher à leur donner les meilleurs. Les meilleurs, c'est le Saint-Esprit. Je vous donne la voie pour que vous puissiez avoir les meilleurs. Je vous conduis vers Dieu. L'éducation d'abord. L'éducation d'abord, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord l'éducation. Proverbe, n'est-ce pas, bien-aimé? L'éducation, bien-aimé. Proverbe 22, le verset 6 nous dit quoi? Donner les meilleurs, bien-aimé, c'est les instruire d'abord. Les instruire, c'est d'abord l'école, d'abord selon les voies de Dieu. Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant. Bien-aimé, la première voie à suivre, c'est la voie de Dieu. La voix de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais les parents sont censés d'abord instruire les enfants. Et tu ne peux pas instruire les enfants, bien-aimé, de l'instruire que toi tu n'as jamais. Il faut d'abord leur montrer la voie à suivre. Et cette voie, c'est la voie que toi tu dois suivre en tant que parent. Ça, c'est clair, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. La voie à suivre. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur. C'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne de les instruire. Bien-aimé, instruisons nos enfants selon les voies du Seigneur. Bien-aimé, instruisons nos enfants selon les voies du Seigneur. Bien-aimé,
C'est là que nous lisons, lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, probablement, Éphésiens 6, n'est-ce pas? Je crois. Éphésiens 6, le verset 4. Éphésiens 6, le verset 4. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés dans le Seigneur. Clairement que nous devons les instruire en les corrigeant. Les instruire selon le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc la première chose, mesdames, d'abord, instruire les enfants selon le Seigneur. Ah, pas académie de ceci, à Massachusetts, je les ai amenés à telle université. C'est bien beau tout ça, mais d'abord les instruire, bien-aimés, selon le Seigneur. Permet les choses. Les instruire selon le Seigneur. Les instruire les enfants, c'est la responsabilité des parents. Deuxième chose, mais les corriger aussi selon le Seigneur. Les corriger. Les parents sont censés venir dans le Seigneur. Corriger. C'est-à-dire que les parents doivent corriger l'enfant bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont un droit de regard sur les enfants. Les parents ont un droit de regard sur les enfants, sur leurs enfants. Qu'est-ce que ton enfant... Et le droit de regard sur ton enfant, c'est une responsabilité. Qu'est-ce que mon enfant est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? Il est à quel niveau? Non pas dans, mais dans sa vie spirituelle. Lorsqu'on est une mère, vous priez, mais Dieu va vous révéler l'état d'âme de votre enfant. Il va vous montrer qu'il y a quelque chose qui cause, ça ne va pas. Ça vous aiderait de l'aimer, ça vous préserverait de beaucoup de choses. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, bien-aimé, les parents doivent corriger. Il faut corriger l'enfant. Là où il faut la correction, pour la correction, bien-aimé dans le Seigneur. Et là où il faut corriger, il faut corriger. C'est très important. Très important de corriger les enfants, les corriger, les amener à marcher sur les voies du Seigneur, ne pas les laisser errer en faisant n'importe quoi, mais avoir le droit de regard sur les enfants bien-aimés de manière à ce qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu. Que les enfants puissent accomplir la volonté de Dieu, je dis bien qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu. C'est que les parents doivent être bien-aimés. Assez gentils, oui. Mais là où il faut être rigoureux, ils doivent être rigoureux avec les enfants. Ils doivent être rigoureux. Là où il faut l'être, il faut être correct avec les enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Parler là où il faut leur parler. Leur montrer les chemins à suivre. Là où il faut leur montrer les chemins à suivre. Quand vous trouvez qu'ils ne sont pas sur le droit chemin, appelez-les, bien-aimés. Parlez-leur de manière tout à fait honnête, claire. Ils comprennent que non, là, papa a parlé, là, maman a parlé. Nous devons suivre, n'est-ce pas, ce qui vient d'être dit. Eh bien, pas, bien-aimé dans le Seigneur, de monter aux enfants, n'est-ce pas, une certaine nonchalance. Oh, c'est pas grave, ce sont les enfants. Et quand ils grandiront, ils comprennent. Je n'aime pas le langage, je dis que quand ils grandiront, ils comprendront. Non. Il faut parler quand il faut leur parler. Faites votre part. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens l'autre fois, on va lire ce texte-là. Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant et vous consolant, vous conjurant. Vous voyez, n'est-ce pas? Exhorter, consoler, conjurer. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant. C'est ce qu'un père doit faire pour son enfant. Alléluia. C'est ce qu'un père doit faire pour son enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons un rôle à jouer. Nous devons donner les conseils à nos enfants. Nous devons les encourager. Les encourager. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Dites-vous, chacun, nous avons, vous le savez aussi avec chacun de vous, nous avons été comme un père avec ses enfants.
Nous vous avons donné des conseils et des encouragements. Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut. Lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. De vivre comme Dieu le veut. C'est ça le rôle des parents. De marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est ce que nous devons faire pour les enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Nous devons, n'est-ce pas, comme les parents, n'est-ce pas, bien-aimés, exhorter, les consoler, les encourager. Non seulement les encourager, mais en même temps le forcer dans leur manière de vivre, leur donner les conseils de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume. Bien-aimés, je pense que nous devons prier. Nous devons prier dans le Seigneur. Maintenant, là, c'est prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Prions, bien-aimé, la responsabilité des parents. Que les parents, bien-aimé, que Dieu donne nous. Un parent responsable ne se rend pas compte du devenir de son enfant. Regardez, l'apôtre Paul dit, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle. Non, non, Dieu a appelé, il m'a donné cet enfant. Il l'a appelé pour que mon enfant, il a appelé mon enfant à son royaume et à sa gloire. Pour que mon enfant puisse hériter le royaume. Bien, mais nous avons les enfants biologiquement, mais nous devons les engendrer spirituellement. Nous les avons engendrés biologiquement, ça c'est la première naissance, mais la deuxième naissance c'est la naissance spirituelle. Nous devons tous, c'est la responsabilité des parents, de les engendrer spirituellement, ou de le pousser, bien aimé dans le Seigneur, à l'engendrement spirituel. Je t'ai eu comme enfant, je t'ai eu, n'est-ce pas, comme fils, comme fille, c'est bien. Mais maintenant, je me mets à genoux, prier Dieu, que Dieu puisse rencontrer cet enfant qui le connaisse. Quel est le plaisir que vous aurez? Vous êtes au ciel, mais votre enfant n'est pas au ciel. Vous allez dire quoi à Dieu? Ben, moi, je l'ai acheté tous les habits qu'il voulait. Hein. Je l'ai amené dans telle ville, j'ai voyagé avec, je l'ai amené en Europe. Moi, je suis africain. Regardez un peu là où moi j'ai vécu. Moi, je l'ai amené en Europe. Hein. Je l'ai amené aux États-Unis, je l'ai amené au Japon, je l'ai amené partout dans les pays, n'est-ce pas, d'une certaine valeur. Mais je lui ai tout donné. Hein. Des voyages, il ne faut même pas en compter. Son passeport était tout le temps plein. Mais les restes, moi, je suis désolé, quoi. Dieu te regarde et dit, mais tu es désolé? Tu es désolé, vraiment? Mais pourquoi je les ai donnés? As-tu compris le pourquoi je les ai donnés, ces enfants-là? C'était pour accomplir mon programme à moi. Ah, bien-aimé, être parent, ce n'est pas se réjouir parce qu'il est tout mignon, il est mignon, il est gentil. Non, 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 non. C'est d'accomplir le programme de Dieu dans la vie de nos enfants. C'est de ça que nous allons prier. La plupart des parents, nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel. Ils sont en train d'irriter leurs enfants. Écoutez bien, on a dit bien, et vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. La plupart des gens irritent leurs enfants, la plupart des parents. D'abord, ils ont un mauvais comportement, un comportement qui n'est pas exemplaire vis-à-vis de leurs enfants. Comment vous allez éduquer un enfant que vous-même, vous êtes un exemple? Vous n'êtes pas un modèle pour lui. Comment vous allez l'éduquer? Vous n'êtes pas du tout un modèle. Loin d'être un modèle même. Et même l'enfant se pose la question si vraiment tu es son père ou tu es sa mère. Il se demande dans sa tête, il dit, est-ce que réellement celui-ci c'est mon père? Ou réellement celui-ci c'est ma, et celle-ci c'est ma mère? L'enfant, l'enfant est un peu troublé. Alors, bien-aimés, prions pour la responsabilité des parents. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le ciel. D'abord, prions, n'est-ce pas? Bénissons Dieu, n'est-ce pas? Dieu, le Dieu de la famille, le Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui les donne. Et quand il les donne, bien-aimés, c'est pour l'accomplissement de son projet à lui. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur et non de mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est Dieu qui le dit, bien-aimés. N'est-ce pas? Lorsque nous lisons dans Jérémie 29, le verset 11, Dieu le dit clairement, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets. Je dis bien, les projets, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets. Donc Dieu a les projets, bien-aimés, n'est-ce pas, pour ta vie. Dieu a les projets, n'est-ce pas, bien-aimés, pour tes enfants. Eh bien, que ces projets-là s'accomplissent de la manière où toi, tu sais te comporter, tu sais accomplir la volonté de Dieu. Tu ne fais pas ce que toi, tu veux, tu fais ce que Dieu veut. Même pour tes enfants, tu fais ce que Dieu veut.
Mais parce que Dieu veut, n'est-ce pas, que mes enfants puissent le connaître. Dieu veut que mes enfants puissent marcher d'une manière digne de sa vocation. Eh bien, je conduis mes enfants selon la volonté de Dieu et non pas selon ma volonté à moi. Je leur donne tout ce qu'il faut. Je pourvois leurs besoins. Mais les parents sont censés pourvoir aux besoins des enfants. Oui, ça c'est clair. Les parents doivent pourvoir aux besoins des enfants. Donner aux enfants ce dont ils ont besoin. Ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que la Bible le dit clairement. Les parents doivent pourvoir aux besoins de... Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants comme héritage? Je vais dire au Seigneur, qu'est-ce que les parents sont censés pouvoir laisser à leurs enfants comme héritage? Quel héritage laisser aux enfants, mesdames et messieurs, le Seigneur? Les désordres? Quel héritage laisser aux enfants? Les habits? Les chaussures? Parce qu'il faut laisser un héritage aux enfants, mais lesquels? C'est la question qu'il faudra se poser, mesdames et messieurs. Quel héritage laisser aux enfants, mesdames et messieurs, le Seigneur? Quel héritage laisser aux enfants? Chers parents, quel héritage laisser aux enfants? Regardez ce qui est écrit, bien aimé, dans la parole de Dieu. L'homme de bien, n'est-ce pas, bien aimé? L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritage, a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Voilà, le pécheur, c'est celui, il a hérité, il a eu des richesses là, pour laisser, n'est-ce pas, à ses enfants. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, c'est réservé pour les justes. Lui qui a passé le temps à éduquer ses enfants, à instruire ses enfants, selon les voies du Seigneur. Non, nous allons prier dans le ciel, nous allons prier. Et les fois, on voit, n'est-ce pas, commence à prier pour lui, c'est notre merci, 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 parce que c'est toi le Dieu de la famille, c'est toi le Dieu qui donne les enfants. Nous te disons merci pour les enfants que tu nous as donnés. Bien aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, commence à bénir, commence à le bénir, commence à le bénir, n'est-ce pas. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te bénissons, tendre Père, nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour les enfants. C'est toi l'auteur des enfants. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour les enfants. C'est toi qui donnes les enfants, éternel notre Dieu. Aide-nous, tendre Père. Aide-nous à t'honorer à travers les enfants que tu nous donnes. Aide-nous, tendre Père, prendre conscience que les enfants, c'est un héritage éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions gras pour les enfants, tendre Père. Éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que les enfants, c'est un héritage qui nous vient de toi. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci, grand roi, pour ta grâce. Merci, éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue, nous allons prier, n'est-ce pas, pour dire, Seigneur, notre Dieu, pardonne-nous en tant que parents. À l'heure du fait que nous ne réalisons pas que les enfants ont une grande importance devant toi, Seigneur. Nous ne réalisons pas. Nous croyons que les enfants, c'est nous. Nous les gérons comme nous voulons. Nous pouvons jouer avec leurs sentiments. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que bon, c'est mon enfant. Bien-aimé, Dieu te l'a fait. Dieu te les a prêtés. Nous sommes les dispensateurs de divers dons de Dieu. Les enfants, l'enfant, c'est un don de Dieu. Et aussi, la Bible, nous sommes les dispensateurs de divers dons que Dieu nous a donnés. Tu n'es qu'un, bien-aimé, tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'un gestionnaire. Les enfants, là, Dieu te les a donnés pour gérer. Un jour, il te demandera, qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? Ben, Seigneur, à un moment, moi, je n'en voulais pas, quoi. Moi, je voulais faire tout ce que je voulais. Il dit, ah bon? Tu voulais en faire ce que toi, tu voulais? Mais c'est moi, je te les ai donnés. Pour que tu accomplisses ma volonté à moi dans leur vie. Mais nous allons bien prier, n'est-ce pas? Priez pour dire, notre Dieu, Seigneur, pardonne les parents. Pardonne le fait que nous n'avons pas pris conscience que les enfants ont une importance à tes yeux. Parce que c'est toi qui les as donnés. Je vous rappelle, n'est-ce pas, Exode 1, 20 à 20, 16 à 21, nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Dieu a préservé les enfants qui ne soient pas tués. Et Dieu a béni les sages-femmes. Tu veux être béni, bien-aimé, préserve la vie de tes enfants, physiquement et spirituellement. Donc les enfants importants devant Dieu.
Nous allons prier, Seigneur, pardonne-nous. Si nous n'avons pas pu préserver la vie de nos enfants, Seigneur, pardonne. La manière que nous avons agi, nous n'avons pas agi correctement vers nos enfants, Seigneur, pardonne. Nous les avons peut-être irrités, Seigneur, pardonne. Nous les avons traités pas comme toi tu voulais, Seigneur, pardonne. Bien-aimé, que Dieu pardonne les hommes, que Dieu pardonne les femmes qui n'ont pas traité les enfants comme Dieu le veut. Nous allons demander, implorer la miséricorde. Que Dieu pardonne les parents. En tant que parents, que Dieu nous pardonne. Élevons nos voix, bien-aimés. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions pour que Dieu nous pardonne. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, éternel, notre Dieu. Ce soir, en tant que parents, nous transportons, tendre Père, devant ton trône de la grâce. Alléluia. Tous les parents, Seigneur, notre Dieu, que tu pardonnes, éternel, notre Dieu. Pardonne notre attitude vis-à-vis des enfants. Pardonne notre comportement vis-à-vis des enfants, éternel, notre Dieu. Parfois, c'est vis-à-vis de toi. Nous ne les avons pas pris comme toi, tu le veux. Ils ont une importance à tes yeux, éternel, notre Dieu. À un moment, nous n'avons pas pris conscience que les enfants, tu nous les as donnés pour l'accomplissement de ta volonté sur la terre des hommes. S'il te plaît, en tant que parent, pardonne, Seigneur. Pardonne les parents. Pardonne les parents. Notre Seigneur, notre Dieu, pardonne les parents. Nous demandons pardon, grand roi d'élevé. Seigneur, pardonne, s'il te plaît. Pardonne les parents. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le ciel, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu pardonne les parents qui ont rejeté leurs enfants. Les parents qui irritent leurs enfants par leur comportement. Il y a des parents qui sont des caïds, bien-aimés dans le Seigneur, qui marchent parfois de manière qui n'est pas correcte, qui ne marchent pas dans la droiture devant leurs enfants, qui sont des menteurs, qui sont des débauchés, qui ont des ceci, bien-aimés. Et ils sont... Que Dieu pardonne. Nous allons bien-aimés prier pour tous ces hommes, toutes ces femmes, bien-aimés dans le Seigneur. Qui ne marchent pas dans la droiture, dans les mensonges, bien-aimés dans le Seigneur, mais qui ne réalisent pas qu'ils sont en train d'irriter les enfants, qu'ils sont en train de blâmer leurs propres enfants, qu'ils sont en train d'hypothéquer le futur de leurs enfants. Un enfant parfois peut refuser de se marier, dit, si ça vaudra la peine de me marier pour vivre ce que mon père a fait vivre à ma mère ou pour vivre ce que ma mère a fait subir à mon père. Non, je préfère rester comme ça. Je ne me marie pas. J'ai entendu un jour une fois qu'il dit, pasteur, ça ne vaut pas la peine de se marier, oh là là. Il dit à ses parents, quand je vois comment les deux là sont en train de vivre, non, pasteur, laisse tomber. Les parents, c'est bon, il dit, les deux là. Il dit, c'est bon, les deux. Il dit, quand je vois les deux là, c'est qu'ils vivent là. Il dit, non, non. Vous imaginez? Donc, ils ont dégoûté la vie de leur fille. La fille est dégoûtée de voir les enfants vivre de la manière. Ils se battent, ils s'insultent. La fille a dit, non, non, non. J'étudie, j'ai mon argent, je fais ma vie. Une telle fille, bien-aimée dans le Seigneur, ne vous étonnez pas, prochainement, elle est Marguerite, elle prend Pauline. Hein? Comprends qui peut. Ne vous étonnez pas, il est Paulin, il prend Paul. Hein? Mais nous allons prier. Que Dieu pardonne les parents, les hommes et les femmes, bien-aimés dans le Seigneur, qui se méconduisent devant leurs propres enfants. Que Dieu pardonne les hommes et les femmes qui ont rejeté leurs enfants, qui ont hérité leurs enfants, qui ont abandonné leurs enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu pardonne les hommes, les femmes qui sont méchants vers leurs propres enfants. C'est comme si c'est les enfants de lui, ils sont méchants. Écoutez bien, nous avons vu, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu tout à l'heure ici, Esaïe 49, il dit, mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Ou qu'elle allait? Papa! Mais nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier que Dieu pardonne les parents qui ont abandonné leurs propres enfants, les parents qui ont rejeté, les parents qui ont irrité. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu pardonne. C'est un Dieu de pardon. Beaucoup de parents ont fait beaucoup de mal à leurs propres enfants. Que Dieu pardonne. Ils pratiquent, n'est-ce pas, bien-aimés, des choses abominables devant leurs propres enfants. Ils ne réalisent pas qu'ils blessent leurs propres enfants. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu, le Dieu de pardon, qui se souvienne de nos enfants. Alors que Dieu pardonne les parents. Et soyons honnêtes et sincères ici, en tant que parents, soyons honnêtes et sincères devant Dieu. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions, n'est-ce pas, que Dieu pardonne les parents. Bien-aimés, prions, n'est-ce pas, tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. En tant que parents, tendre Père, nous avons irrité nos propres enfants. Nous les avons blessés, tendre Père. Nous avons parfois été méchants envers nos propres enfants. S'il te plaît, notre Dieu, nous te demandons pardon, maître du ciel et de la terre. Nous te demandons pardon, grand roi de l'univers. Seigneur, pardonne les parents. Pardonne les parents qui sont méchants envers leurs propres enfants. Pardonne les parents qui rejettent leurs propres enfants. Pardonne les parents, Seigneur notre Dieu, qui ont abandonné leurs propres enfants. Tendre Père, nous te demandons pardon. Il y en a qui ont abandonné les enfants. Il y en a qui en ont rejeté. Et nous te demandons pardon, tendre Père. Pardonne-nous, s'il te plaît, notre Seigneur, notre Dieu. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ton pardon, éternel, notre Dieu, en tant que parents, pour avoir abandonné les enfants, pour avoir été méchants vers les enfants, pour avoir, Seigneur, notre Dieu, alléluia,
irriter nos enfants, pour avoir montré le mauvais exemple à nos enfants. Tendre Père, nous te demandons pardon. Nous serons ta miséricorde en tant que parent, s'il te plaît, notre Dieu. Tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de miséricorde. Tendre Père, pardonne-nous parce que nous n'avons pas pris sérieusement nos responsabilités en tant que parents pour élever nos enfants comme toi tu le veux. Seigneur notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le ciel, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu pardonne, n'est-ce pas, les parents pour n'avoir pas éduqué les enfants selon le voie du Seigneur, pour n'avoir pas pourvu aux besoins des enfants. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu, Seigneur. Ta miséricorde. Allez, élevons nos voix, bien-aimé. Implore la miséricorde pour n'avoir pas pourvu aux besoins des enfants. Spirituellement, bien-aimé. Physiquement, bien-aimé. Matériellement, financièrement. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait pitié. Élevons nos voix pour nous. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié, éternel, que Dieu des parents. Aie pitié, grand roi de l'univers. Aie pitié, éternel, notre Dieu, pour les parents qui n'ont pas pourvu aux besoins des enfants. Spirituellement, matériellement, financièrement, tendre Père, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci, éternel notre Dieu, pour ton amour. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Bien, nous allons, n'est-ce pas, prier, bien-aimé. Nous allons demander maintenant que Dieu donne, n'est-ce pas, bien-aimé, aux parents, n'est-ce pas, bien-aimé. Alléluia. Les parents d'être, n'est-ce pas, sensibles. Le regard, n'est-ce pas, que les parents puissent, bien-aimé dans le Seigneur, puissent avoir un regard sur leurs enfants, n'est-ce pas, bien-aimé, que les parents puissent prendre conscience de la responsabilité qui est la leur. Nous allons venir prier pour la prise de conscience des parents vis-à-vis, n'est-ce pas, de leurs enfants. Nous allons prier pour la prise de conscience, que les parents, bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, touche les cœurs des parents qui prennent conscience, n'est-ce pas, vis-à-vis de leurs propres enfants. Bien-aimé, prions pour la prise de conscience, n'est-ce pas, la prise de conscience, n'est-ce pas, de la responsabilité des parents. Élevons nos voix, bien-aimé, prions pour la prise. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire, grand roi de Dieu. Nous prions pour la prise de conscience des parents vis-à-vis de leurs enfants. On l'offre. Puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu, nous transportons les parents devant ton trône de la grâce que tu nous donnes en tant que parents d'être conscients et de la responsabilité, alléluia, qui nous incombe vis-à-vis des enfants. Merci, merci pour ta grâce, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, merci éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci, merci pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons prier que le Saint-Esprit remplisse, n'est-ce pas, les parents de l'amour de Dieu. Là, c'est l'amour. Je dis bien que chaque parent puisse se rendre compte que la manière dont il aime son enfant, c'est de la même manière que Dieu aime, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le ciel, ses enfants. Et qu'ils doivent les aimer, bien-aimé, tel que Dieu le veut. Et nous allons, bien-aimé, prier pour que Dieu, n'est-ce pas, touche les cœurs des parents de prendre conscience de l'amour vis-à-vis de leurs enfants. Et des parents, bien-aimé, qui s'aiment, eux, plus que leurs propres enfants. Non, 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 non. Tu dois aimer tes enfants tels que Dieu le veut. Nous allons prier que Dieu, n'est-ce pas, mette dans les cœurs des parents l'amour, n'est-ce pas, de leurs propres enfants. L'amour, bien-aimé, l'amour, n'est-ce pas, bien-aimé, c'est d'abord d'accomplir la volonté. L'amour, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Que Dieu donne aux parents, n'est-ce pas, de les aimer tels que Dieu veut qu'ils aiment leurs propres enfants. Il y a des parents, bien-aimés, qui s'en foutent des enfants. Vous êtes déjà nés, c'est bon, quoi. Débrouillez-vous. Le reste, c'est pas son affaire. Non, 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 nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, que Dieu donne aux parents, n'est-ce pas, bien-aimés, remplisse les cœurs des parents de son amour, que les parents prennent conscience de l'amour, n'est-ce pas, ils doivent accompagner les enfants. Ou il a 18 ans, il a 20 ans, il a 22 ans, l'accompagner jusqu'au jour qu'il va se marier. On le tient à la main, on dit, voilà, maintenant, moi, j'ai fait ma part. L'homme qui traite son père, ça s'attachera, ça va maintenant haut. Va maintenant faire ta vie, en tout cas, bien. Que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas fini. Je dois toujours être à genoux, n'est-ce pas, prier pour lui ou prier pour elle, à genoux, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. C'est une responsabilité. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu remplisse, n'est-ce pas, les cœurs des parents de son amour, de l'amour, n'est-ce pas, pour leurs enfants. Et des parents, bien-aimés, qui ne prennent pas, qui n'aiment pas leurs enfants. Quand on met l'enfant au monde, et puis c'est fini, on le jette comme un âne. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu remplisse, n'est-ce pas, les cœurs de père, n'est-ce pas, de l'amour pour leurs enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu ramène, n'est-ce pas, les cœurs des parents à leurs enfants et remplisse les cœurs des parents de son amour,
Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Notre Seigneur, notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Nous prions pour la responsabilité des parents. Tendre Père vis-à-vis de nos enfants. En l'aisément, éternel, notre Dieu. Que tu donnes aux parents l'amour, c'est notre Dieu. L'amour par n'importe lequel. L'amour, Seigneur, des parents vis-à-vis de leurs enfants. Remplis les cœurs des parents de ton amour, c'est notre Dieu. L'amour du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de remplir les cœurs des parents de ton amour. Au nom puissant de Jésus Christ. Remplis les cœurs de Père de ton amour. Remplis les cœurs de ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Que ce soit ton amour, l'amour des parents vis-à-vis de leurs enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Remplis les cœurs des parents, remplis les cœurs des parents de ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ, donne aux parents tendre Père le sens des responsabilités, d'aimer leurs enfants comme toi tu aimes les hommes sur la terre, les hommes, comme toi tu aimes tes enfants, tendre Père, que les parents soient remplis de ton amour, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, et nous te remplis les cœurs des parents tendre Père, qui se sont peut-être découragés. Tendre Père, remplis leur cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu ramène les cœurs des parents qui ont rejeté leurs enfants, qui ont la haine de leurs enfants. Même si l'enfant fait n'importe quoi, les parents doivent toujours continuer à aimer. Dieu est bien aimé. Quand Dieu rejette, c'est grave. Mais Dieu, toujours, n'est-ce pas, toujours un cœur compatissant. Il attend toujours. Comme le père de l'enfant prodigue, il avait toujours les yeux dehors pour regarder. Et si son enfant reviendra, bien aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Pour que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, les parents qui ont rejeté leurs enfants, quelle que soit la raison, que Dieu, n'est-ce pas, touche les cœurs, n'est-ce pas, de ces parents-là, à revenir à la raison, à pouvoir toujours espérer que Dieu touche les cœurs de leurs enfants pour que les enfants reviennent. Nous allons, bien-aimé, prier pour les parents, bien-aimé, qui ont rejeté leurs enfants. Les parents qui ont bien aimé dans le Seigneur, abandonnent leurs enfants. Nous allons prier, bien-aimé, que Dieu ramène les cœurs de ces parents-là au nom puissant de Jésus. Dieu a dit, mais moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Dieu dit, n'est-ce pas, je ne t'oublierai pas. Ce que Dieu dit dans sa parole, il dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ça, c'est très fort. Il dit, je ne t'oublierai pas. Quand Dieu dit, je ne t'oublierai pas. Dieu ne peut pas nous oublier, bien dans le Seigneur. Il dit, je ne t'oublierai pas. Oui, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Bien dans le Seigneur, nous allons bien aimer prier. Les parents qui ont oublié leurs enfants, que Dieu ramène leur cœur. Les parents qui ont abandonné, que Dieu ramène leur cœur. Les parents bien aimés qui ont rejeté leurs enfants, que Dieu ramène leur cœur. On nous poussons à nous dire, prions pour les parents, n'est-ce pas, alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous prions, grand roi de Dieu, pour que tu ramènes les cœurs de ces parents, tendre Père, qui ont abandonné leurs enfants, qui ont rejeté leurs enfants. Nous prions pour leur cœur. Merci, tendre Père, de toucher les cœurs de ces parents. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Ramène les cœurs des parents qui ont rejeté leurs enfants, les cœurs des parents qui ont abandonné leurs enfants, les cœurs des parents, tendre Père, alléluia, qui ont oublié leurs enfants. S'il te plaît, l'Éternel te dit, ramène leur cœur, ramène leur cœur, ramène les cœurs des parents qui ont abandonné les enfants, ramène leur cœur au nom puissant de Jésus, ramène les cœurs des parents de leurs enfants au nom puissant de Jésus Christ, tendre Père, ceux qui ont quitté, ceux qui ont, c'est notre qui ont abandonné spirituellement parlant, ramène leur cœur même sur le plan spirituel, ramène les cœurs des hommes, les cœurs des femmes à leurs enfants, spirituellement parlant, nous réclamons le cœur de ces hommes qui ont abandonné spirituellement leurs enfants, tendre Père, nous prions que tu ramènes, ramène leur cœur, ramène leur cœur, ramène les cœurs de père à leurs enfants, ramène le cœur de mère à leurs enfants, les parents qui ont abandonné leurs enfants, les parents tendres pères, ramène leur cœur au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Merci de ramener le cœur de père à leurs enfants au nom puissant de Jésus Christ. Tendre Père, merci. Merci pour toi. Merci pour ton œuvre à la croix. Ramène les cœurs de ses parents. Ramène les cœurs de ses parents. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'enfer, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Merci, grand roi de l'enfer. Glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé, prier pour que les parents puissent jouer le rôle, n'est-ce pas, bien-aimé, n'est-ce pas, de corriger les enfants quand il faut les corriger selon les voies du Seigneur. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé, pour que les parents prennent conscience de la correction qu'ils doivent aux enfants selon les voies du Seigneur. Il y a des parents, bien-aimé, qui laissent comme ça. Regardez un peu le sacrificateur Élie. Il a vu les enfants venir à terre, connaître des actes abominables. Au lieu de le corriger comme il faut, mais il était un peu, voilà. Et le drame, c'est que ses enfants sont morts et lui aussi en est mort. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu donne aux parents, n'est-ce pas, la force, l'autorité
de corriger les enfants quand il faut les corriger. Allez, élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions pour l'autorité, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous transportons tous les parents devant ton trône de la grâce, que tu leur accordes l'autorité, Seigneur, l'autorité parentale, de corriger les enfants quand il faut le corriger, au nom de Jésus. Nous prions, Éternel, notre Dieu, que tu aides les parents à prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer en corrigeant leurs enfants quand il faut les corriger, mais avec amour. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Élevons nos voix, bien-aimés. Rendons grâce au Seigneur pour son amour, les dieux des enfants, l'Esprit Dieu qui aime les enfants, bien-aimés. Prions, n'est-ce pas? Rendons grâce au Seigneur et bénissons Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés? Que Dieu, n'est-ce pas, ramène, alléluia, les enfants qui ont quitté aussi les parents qui ont abandonné les enfants, bien-aimés. Que Dieu, n'est-ce pas, ramène les parents aux enfants, les enfants aux parents. Élevons nos voix, rendons grâce. Tendre Père, nous élevons nos voix, mettons, te rendons grâce. Merci, t'es notre Dieu pour tous les parents, alléluia, qui ont abandonné leurs parents, de le ramener, Seigneur, à la raison. Les enfants qui ont abandonné leurs parents, de le ramener à la raison. Tendre Père, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci de bénir toutes nos familles, nos puissants lieux, de bénir les parents, de bénir les enfants. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. 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 L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa grâce. C'est au nom du Père et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. À bientôt, bien-aimés. Que Dieu bénisse. À bientôt. Merci. Bye.